Da Costa au taquet, malgré un écart avec la tête de course qui avoisine les 3000 km. L'Espagnol double le Cap Finistère quand les premiers sont en approche de l'archipel des îles du Cap Vert. Salut, nous sommes de retour dans le match après 4 jours d'arrêt. Je suis très motivé. Je suis en route pour le Tour du Monde et nous y sommes. Aux avant-postes, Armel Lecléache était un solide leader qui avait remis un peu de distance entre lui et ses premiers poursuivants. Il se retrouve désormais sous la menace d'Alex Thompson, revenu comme une balle et requinqué comme jamais. On atteste les 459 000, à peu près 850 km qu'il a parcouru en 24 heures. Tout va bien, j'ai réussi à prendre de la vitesse ces derniers jours. J'en suis très content. J'essaie de rallier l'équateur et de franchir le poteau noir le plus vite possible. Il faut que je décide ce que je vais faire pour passer les îles du Cap Vert. Soit je les laisse à bâbord, soit je passe à travers, soit je les laisse à tribord. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Sixième à une soixantaine de milles, Jérémy Bayou est bien calé dans le groupe de tête. Le skipper de Maître Coq, qui essaie de tenir la cadence, évoque l'un des aspects les plus désagréables des bateaux à foil, le bruit. Ah, c'est hyper strident et ça fait vibrer tout le bateau en fait. Ça prend tout le corps quoi, une petite vibration comme chez le dentiste. C'est juste insupportable et puis ben voilà, si tu mets pas ton casque, au bout de 20 minutes, t'as fait la tête contre les murs. Hein, donc si t'es sur ce rythme-là, avec ces bruits-là, et en même temps, ça sera pas long. Hein, mais ça sera difficile à supporter. Hein. Si les premiers continuent sur ce rythme-là, il y a du record dans l'air, car ils pourraient atteindre l'équateur en moins de 9 jours. Avant cela, il faudra négocier le passage à niveau du poteau noir, qui devrait commencer à ralentir la flotte dès demain soir.